trois charismes, c'est-à-dire trois grâces, trois cadeaux que le Seigneur a fait à Marie-Madeleine, que je voudrais rapidement préciser avec vous. On pourrait en trouver d'autres, mais j'en ai retenu trois, et qui, me semble-t-il, peuvent ou doivent nous rejoindre, puisqu'elle est l'apôtre des apôtres. Elle nous invite, entre autres ici, par son intercession, à suivre peut-être les expériences, ou du moins les grâces qu'elle a reçues du Seigneur. Et j'en ai retenu trois. Le premier, ou la première des grâces, ou le premier des charismes, est, me semble-t-il, son amour très fort pour Jésus. Un amour que l'on peut parfois reconnaître comme démesuré. Un amour très fort qui est marqué par sa propre histoire, par sa féminité, certes, mais aussi par son affectivité, par tout ce qu'elle a vécu, son histoire. Un amour qui peut se caractériser par un désir très fort de connaître Jésus, de le suivre, de le chercher, de chercher en permanence Jésus, de chercher en permanence son Dieu. Et la première lecture, à partir du Cantique des Cantiques, nous rapporte très fortement cela. La parole de Dieu nous montre qu'en fait, ce qui habite, entre autres, le cœur de Marie-Madeleine, c'est de chercher son époux, de chercher celui qui va la combler, de chercher le Seigneur, de toutes ses forces, de toute son être, de tout ce qu'elle est. Un amour fort qui est non seulement caractérisé par cette recherche, mais aussi par le désir d'être rassasié. Mon âme a soif de toi, nous dit le psaume. Après toi, languit ma chair. Un désir non seulement de chercher, mais d'être comblé par Dieu. Un désir d'être comblé par cet amour qui jaillit du cœur de Dieu. Un amour qui est aussi exclusif, dans le sens où il s'adresse à quelqu'un de particulier, il accueille ce que l'autre veut me donner. Un amour qui vient me faire grandir, me guérir, me sauver. Un amour qui me conduit. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Et on sent ce cri qui s'échappe du cœur de Marie-Madeleine. Toute sa vie nous le rappelle, toute sa vie l'illustre. Cet amour très fort de Jésus qui devient chez elle de plus en plus comme une prière. Cette quête profonde qui, j'imagine, tout au long de sa vie a grandi comme une amitié réciproque avec son Dieu. Ce n'est pas un face-à-face froid, un face-à-face extérieur. C'est un amour donné et reçu, qui fait grandir, qui comble, qui structure, qui donne sens à ma vie, qui habite profondément ce qu'elle est, avec toute son histoire, ses blessures, ses péchés même. Alors, me semble-t-il, il faut que nous nous posions, nous, ce matin, cette question. Où en est mon amour, ma recherche de Jésus? Être chrétien, c'est profondément vivre de Jésus. Comme je vous le rappelais tout à l'heure, un pèlerinage est l'occasion par excellence où je suis invité à rencontrer Jésus au plus profond de moi-même, quelle que soit mon histoire, quelle que soit ma vie, quel que soit mon itinéraire, mes blessures, voire mon péché. Et Marie-Madeleine, aujourd'hui, nous invite à cette rencontre en vérité, à rechercher toujours plus cet amour de Jésus, avec force, avec désir, avec obstination, comme Marie-Madeleine. Oui, que ma prière devienne vraiment cette amitié réciproque avec Dieu qui me comble. Le deuxième charisme, la deuxième grâce que je percevrai chez Marie-Madeleine, c'est la figure de Jésus
miséricorde. Marie-Madeleine est inséparable, et nous le savons bien, de cette notion de miséricorde. Par sa quête, en fonction de son histoire, par sa présence à la croix, par sa rencontre avec Jésus dans le jardin, tel que l'évangile de Saint Jean nous le rappelait tout à l'heure. Cette rencontre avec Jésus extraordinaire qui nous a été relatée, cette figure qu'elle prend pour le jardinier, cette figure qui vient l'appeler personnellement Marie. Et à cet appel qui retentit au plus profond de son cœur, au plus profond de son âme, elle se sent profondément aimée, reconnue, interpellée. Et j'aime bien comparer cette apparition du Christ ressuscité dans le jardin à l'apôtre des apôtres, à l'image de Sœur Faustine, du Christ qui apparaît à Sœur Faustine avec ses plaies, du Christ ressuscité, qui est la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde ? La miséricorde, c'est un amour qui jaillit du cœur du Père, un amour qui traverse l'histoire de l'humanité, entre autres, cela nous est rappelé dans l'Ancien Testament, qui traverse toute l'histoire des hommes, qui est caractérisée par deux aspects, deux attentions particulières de Dieu. L'attention envers les pauvres, c'est-à-dire ceux qui attendent tout de Dieu, ceux qui désirent être comblés par Dieu. Et l'attention aux pécheurs, ceux qui veulent être libérés. Et voyez, ces deux attentions qui caractérisent la miséricorde, l'attention aux pauvres, l'attention aux miséricordes, l'attention aux pécheurs, en fait se rejoignent ces deux attentions en Jésus, qui est, comme nous rappelait le pape Jean-Paul II, l'incarnation de la miséricorde. Et chacun d'entre nous, nous sommes pauvres et pécheurs, et donc la miséricorde est faite pour nous, comme elle est faite pour Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine a bien perçu que la miséricorde était faite pour elle. Elle qui voulait avoir un cœur de pauvre, c'est-à-dire désirer se laisser combler par Dieu, et qui avait conscience de ses pauvretés, de ses péchés. Cette miséricorde, cet amour du Père qui s'incarne dans Jésus nous rejoint, chacun personnellement, qui que nous soyons. Elle nous rejoint aujourd'hui, maintenant, comme elle a rejoint Marie-Madeleine. Le Christ Jésus vient à notre rencontre et nous appelle personnellement par notre prénom, personnellement, parce qu'il nous aime infiniment, parce qu'il veut nous faire partager cette grâce extraordinaire, parce qu'il veut nous libérer, parce qu'il veut nous combler, parce qu'il veut nous combler de sa miséricorde. Il nous interpelle personnellement par notre nom et il nous dit à chacun, viens, suis-moi, suis-moi. Laisse-toi déplacer dans ta vie. Ouvre ton cœur et accueille ce dont je veux te combler aujourd'hui. Moi, ton seul sauveur. Moi seul peux combler ta pauvreté. Moi seul peux guérir ton péché. Je suis ton sauveur. Oui, Jésus est la miséricorde. Et voyez cette rencontre de Marie-Madeleine avec Jésus au matin de Pâques. Jésus ressuscité, vainqueur de la mort, vainqueur de tout ce qui conduit au péché, à la mort, nous rappelle que nous aussi, nous sommes invités à faire cette rencontre. À faire cette rencontre. Que cette grâce de la miséricorde nous comble, qu'elle nous inonde, qu'elle nous rende éternels. Alors voyez, ce matin, il faut là aussi que nous nous posions la question. Comment je vis la miséricorde de Dieu? Comment je l'accueille dans ma vie? Comment je sais me laisser toucher par cet amour qui vient me guérir et qui vient me remettre en vérité? C'est vrai, bien sûr, tout spécialement dans le sacrement du pardon. Mais c'est vrai chaque fois aussi que nous ouvrons notre cœur, que nous nous laissons interpeller par la parole de Dieu, par sa présence, entre autres, dans les sacrements. Comment cette miséricorde vient, par l'intercession de Marie-Madeleine aujourd'hui, me rencontrer, me relever, me combler. Et puis la troisième grâce que je voudrais partager avec vous,
Il me semble que Marie-Madeleine a une conscience toute particulière de la présence de Dieu. Bien sûr en Jésus, même si au début cela a dû être un peu flou peut-être d'une certaine façon, et petit à petit cette conscience s'est affinée. Prise de conscience de la présence de Jésus. Présence qui l'a bouleversée. Présence qui l'a touchée, interpellée, transformée, ultimement transfigurée. Qui l'a transfigurée. Elle s'est laissée toucher par cette présence qu'elle avait recherchée, qu'elle a accueillie. Et elle s'est conclue en sa présence. Sa présence, la présence de Jésus l'a tirée vers le haut, l'a élevée toujours plus. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs, qui aussi, le jour de Pâques, le même jour que Marie-Madeleine, ont rencontré Jésus, ont marché avec lui, se sont laissés interpeller par lui sur la route d'Emmaüs, et puis ils l'ont reconnu à la fraction du pain, et immédiatement il a disparu à leurs yeux. En fait, il les a introduits dans un nouveau type de présence, auquel il va aussi introduire Marie-Madeleine, elle qui le cherchait avec force, elle qui a voulu le toucher le matin de Pâques, lui, le ressusciter, il l'invitait à un nouveau type de présence, une présence intérieure, une présence spirituelle, une présence transformante, une présence qui ouvre à l'éternité, comme pour les disciples d'Emmaüs. Bien sûr, après la résurrection, elle a vécu cette présence différemment. Lui qui semblait avoir disparu physiquement, elle l'a vécu intérieurement, même si ça reste son secret. Elle l'a vécu comme nous ce matin dans l'Eucharistie. Cette présence réelle qui va se donner à nous dans quelques minutes ici même sur l'autel. Alors je nous pose à nous cette fois-ci encore cette question. Comment vivons-nous cette présence de Dieu? Elle, Marie-Madeleine, qui l'a tant cherchée, elle, Marie-Madeleine, qui s'est laissée toucher par lui, par sa présence extraordinaire, dans un premier temps physique, et puis tout intérieur. Nous pouvons, nous aussi, faire cette expérience extraordinaire de la présence réelle de Jésus qui vient à notre rencontre à chaque Eucharistie. Tout à l'heure, au moment de la consécration, comme à chaque Eucharistie, nous serons au pied de la croix, comme Marie-Madeleine, où le Seigneur, par amour, vient donner sa vie pour nous, personnellement. Telle goutte de sang, je l'ai versée pour toi, par amour pour toi. Tout à l'heure, si nous fermons les yeux au moment de l'Eucharistie, au moment de la consécration, nous serons au pied de la croix. Il y a 2000 ans, porte de Jérusalem, devant le Seigneur qui donne sa vie pour nous. Mais le Seigneur est ressuscité et c'est son corps glorieux que nous allons accueillir, sa présence glorieuse que nous allons accueillir tout à l'heure au milieu de nous. Parfois, nous sommes presque habitués à cette présence. Parfois, cette présence devient, pardonnez-moi l'expression, peut-être presque banale. Alors demandons à Marie-Madeleine de faire grandir en nos cœurs cet amour extraordinaire de la présence de Dieu au milieu de nous. De prendre conscience que le Sauveur du monde, mort et ressuscité par amour pour nous, notre Sauveur, notre unique Sauveur, est là, au milieu de nous, pour nous. Qu'il vient à notre rencontre parce qu'il nous aime infiniment. Que comme pour Marie-Madeleine, il veut que cette rencontre vienne bouleverser notre vie. Aujourd'hui, maintenant. C'est maintenant que le Seigneur
nous rejoint comme il nous rejoint chaque jour, pour transformer nos vies, pour nous ouvrir la vie éternelle, pour donner sens à nos vies, non seulement à tout ce que nous faisons, mais ultimement à tout ce que nous sommes. Voyez ces trois charismes que je vous ai rappelés, la recherche éperdue de Jésus, de Dieu le bien-aimé, la rencontre avec Jésus, miséricorde, la rencontre avec Jésus présent, sa présence merveilleuse, si simple et à la fois si bouleversante, qui m'ouvre l'éternité, qui m'ouvre la vie avec lui pour toujours. Ces trois charismes que l'on trouve chez Marie-Madeleine, elles doivent nous interpeller. Et vraiment, je nous invite ce matin, par l'intercession de Marie-Madeleine, à lui, à demander au Seigneur de faire grandir en nos cœurs ce désir de Dieu qui l'a si souvent habité. Et elle qui fut l'apôtre des apôtres, que ce désir non seulement nous transforme, nous transfigure, mais nous pousse à en témoigner largement, comme elle le fit autour de nous. Avoir des grands désirs, celui de nous laisser abreuver pour l'éternité par Dieu, celui de l'annoncer inlassablement. Et nous savons combien notre monde languit, même sans le savoir, de cette présence de l'amour infini, de l'amour de Dieu qui nous comble. Elle fut, Marie-Madeleine, une femme de désir. Est-ce que nous désirons Dieu, vraiment? Pas simplement d'un désir affectif, pas simplement d'un désir intellectuel, mais d'un désir profond qui me pousse à me tourner vers lui, c'est-à-dire à me convertir, par la force du poignet, mais par la grâce dont il veut me combler, dont il vient déjà me combler. Voici que je me suis à la porte et je frappe, dit Jésus. Est-ce que nous allons lui ouvrir notre cœur? Non seulement pour sa plus grande joie, à lui le Sauveur, mais aussi bien sûr pour notre plus grande joie. Telle est la joie de la foi. Alors demandons au Seigneur, par l'intercession de Marie-Madeleine, que cette rencontre merveilleuse, bouleversante, transfigure nos vies. Amen.